Yeah.
Chapitre 8, non, 8e chant, pardon, 8e chant, chapitre 17, et nous reprenons verset 17, chapitre 17, verset 17, chapitre intitulé « Le Seigneur suprême accepte de devenir le Fils de la Divinité ». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atapi, Utayo, Mama, Devi, Chintya, Santoshitasya, Rata, Charyaya, Mamarchanam, Narati, Gantum, Anyata, Shadanurupam, Shadanurupam, Hara, Hara, Vitu Katva, Vitu Katva, Atapi Upayo Mama Devi Chintya, 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 Santoshitasya Vatacharya Yate, Santoshitasya Vatacharya Yate, Santoshitasya Vratacharya Te, Santoshitasya Vratacharya Te, Mamarchanam Narati Gantum Anyata, Mamarchanam Narati Gantum Anyata, Mamarchanam Narati Gantum Anyata, Mamarchanam Narati Gantum Anyata, Shadam Rupam Paraetu Katva, Shadam Rupam Paraetu Katva, Santo Shitasya Vratacharya Yate Mamarchanam Narati Gantumanyata Shraddha Nurupam Para Etu Katvat Atapyupayo Mama Devi Chintya Santo Shitasya Vrachacharya Yate Mamarchanam Narati Gantumanyata Shraddha Nurupam Para Etu Katvat Atapyupayo Mama Devi Chintya
Ata piu payo mama devi cintia. Santo sitasya vratacharya yate. Ata piu payo mama devi cintia. Tatupayo mama devi cintia. Ata, en conséquence, api, en dépit de cette situation, upaya, quelques moyens, mama, par moi, devi, ô déesse, cintia, doit être considéré. Santositasya, très satisfait. Vratacharyaya, observant le vœu. Te, par toi. Mama, excusez-moi, mama archanam, m'adorant. Na, jamais. Arati, mérite. Gantum anyata, devenir autrement. Shraddha anurupam, selon la foi et la dévotion de chacun. Para, du résultat. Etukadvat, d'être la cause. Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Néanmoins, comme tu as su me satisfaire par l'observance de ton vœu, ô déesse, je dois trouver quelques moyens de te témoigner ma faveur, car se vouer à mon adoration n'est jamais vain, mais confère au contraire à chacun le résultat désiré selon ses mérites. N'ayant pas de teneur et portée, je vais lire le verset qui suit. Tvayarchitascha am apatya guttaye payuvratena nugunam samidita. Svamshe naputravam upetyase te sutam guptasmi maricha tapasya dishtita. À dessein de protéger tes fils, tu m'as offert des prières et m'as adoré comme il se doit en observant la cérémonie du Payuvrata. En raison des austérités de Kashyapa Muni, j'accepterai de devenir ton enfant et de protéger ainsi tes autres fils. Verset suivant. Upadava patim badre praja patim akarmasam mamchabhavayati patyav evam rupam avastitam. En pensant constamment à moi qui réside dans le corps de ton époux, Kashyapa, va lui offrir ton adoration, lui qui a été purifié grâce à son austérité. Neitat parasma akheyam prishta iya. Pi
katanchana sarvam sampadyate devi devaguyam samavritam. Ô noble femme, même si quelqu'un t'interroge, tu ne dois révéler cela à personne. Ce qui est très confidentiel ne connaît le succès que si le secret est bien gardé. On y reviendra. Shri Shuka Uvacha Etavad Uptvabhagavams Tatrevantaradiyata Aditil Durabam Ladva Arer Janmatmani Prabhu Upadavat Patim Bhaktya Paraya Krita Krityavat. Shukadev Goswami dit: ayant ainsi parlé, Dieu, la personne suprême, disparut de l'endroit même où il se trouvait. Aditi, qui avait reçu la bénédiction insigne d'avoir bientôt le Seigneur pour fils, estima avoir obtenu toute satisfaction, pleine de dévotion, elle s'en alla rejoindre son époux. Savai samadhi yogena kashyapastad abudyata pravishtam atmani harer amsham yavitatekshana. Absorbé dans sa méditation, Kashyapa Muni, dont la vision n'est jamais fausse, put voir qu'une manifestation plénière de Dieu, la personne suprême, avait pénétré en lui. Soditiam viryam adatta tapasa chirasamritam samahita manarajam darunyagnim yatanila. Ô roi, tout comme le vent contribue à la friction de deux morceaux de bois et allume ainsi un feu, Kashyapa Muni, complètement absorbé par sa méditation transcendantale sur Dieu, la personne suprême, transféra sa puissance dans le sein d'Aditi. Teneur et portée. Deux morceaux de bois qui se frottent l'un contre l'autre, remués par le vent, peuvent donner lieu à un feu de forêt. Pourtant, le feu ne provient réellement ni du bois ni du vent. Il reste toujours différent de ces deux éléments. De même, on peut comprendre ici que l'union de Kashyapa Muni et d'Aditi n'avait rien de commun avec les rapports sexuels d'êtres humains ordinaires. Dieu, la personne suprême, n'a rien à voir avec les sécrétions humaines produites lors d'un rapport sexuel. Il demeure toujours complètement au-delà de telles combinaisons matérielles. Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita au chapitre 9, verset 29, « Samoham sarvabhuteshu. Je suis impartial envers tous les êtres vivants. Cependant, afin de protéger les bhaktas et d'anéantir les asuras fauteurs de troubles, le Seigneur pénétra dans le sein d'Aditi. Il s'agit donc là d'un divertissement transcendantal du Seigneur qui ne doit pas être mal interprété. Il ne faut pas croire que le Seigneur devint le fils d'Aditi comme un enfant ordinaire qui naît de l'union sexuelle d'un homme et d'une femme. Dans ces jours de controverse, il peut être approprié ici d'expliquer l'origine de la vie. La force vitale de l'être vivant, l'âme, est différente de l'ovule et de la semence. Bien que l'âme conditionnée n'ait rien à voir avec les cellules reproductrices de l'homme et de la femme, suivant ses actes, elle sera placée dans une condition appropriée, karmana devanetrina. La vie n'est donc pas le produit de deux sécrétions, elle reste indépendante de tous les éléments matériels. Comme l'explique parfaitement la Bhagavad Gita, l'être vivant n'est sujet à aucune réaction matérielle. Il ne peut être brûlé par le feu, ni coupé par les armes tranchantes, ni mouillé par l'eau, ni desséché par l'air. Il est complètement différent des éléments physiques, mais par un arrangement supérieur, il est placé au sein de ces éléments matériels. Il se situe toujours au-delà de tout contact matériel, asango yayam purusha. Mais parce qu'il se trouve dans une condition matérielle, il souffre des réactions que lui imposent les modes d'influence de la nature. Purusha prakriti stohi bhunkte prakriti jam gunam karanam gunasangoshya sat asat yonisjanmasu. Traduction de ce verset. Au contact de la nature matérielle, l'être vivant adopte différents modes de vie, tirant jouissance des trois gunas. Il connaît ainsi souffrance et plaisir au sein de diverses espèces. C'est un verset de la Bhagavad Gita au chapitre 13, verset 22. Bien que l'être vivant existe au-delà des éléments matériels, il est placé dans des conditions matérielles et doit ainsi souffrir des conséquences de ses actes matériels.
peut-être relire le verset, c'est déjà un peu loin. C'est bizarre. Néanmoins, comme tu as su me satisfaire par l'observance de ton vœu, ô déesse, je dois trouver quelque moyen de te témoigner ma faveur. Car se vouer à mon adoration n'est jamais vain, mais confère au contraire à chacun le résultat désiré, selon ses mérites. Om Agnati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaturun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorange Radhe Brindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyah Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Prabhu, could you give me a Bhagavad Gita, French Bhagavad Gita, please? Thank you. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette session et cette lecture de Srimad Bhagavatam qu'on va essayer de comprendre ensemble. Donc, pas besoin de resituer l'action. Vous vous souvenez, on en parle depuis très longtemps. Mère Aditi, cette personne qui était troublée par une certaine situation et s'enquiert auprès de son mari qui... Oh non, this one. I would prefer this one. You know, peut-être tu peux... Actually, it's going to find one. Tu sais, la Gita qui est dans la même... C'est la version 81. Donc... Aditi, donc, qui était chez elle pendant que son mari était parti faire quelques austérités, en l'occurrence méditer sur le Seigneur suprême. Merci beaucoup. Merci. Et revenant chez lui, il trouve une situation un peu morose, triste. Et il essaie de comprendre qu'est-ce qui rend cette situation ainsi, et questionnant quelque peu son épouse, s'aperçoit qu'elle est affligée par la perte de ses fils. Ce que l'on peut comprendre, c'est normal, c'est une mère. Dans un sens, mais certes, là n'est pas l'aboutissement de l'existence, d'être juste une mère. Il faut être au-delà de la mère. Plus fort, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. J'ai un peu tendance à parler bas, pas très fort. Désolé. Donc voilà, elle est affligée, son mari, d'un côté, il est très, il analyse la situation d'une façon un peu scientifique, quelque part, mais quand même, est attristé par cet état de son épouse et voudrait aider. Hein? Le Vaishnav, il est comme l'arbre à souhait, hein? Vanchakalpa, on le dit tous les matins. Déborde de compassion pour les âmes conditionnées. Déborde de compassion.
Il est plein de compassion. Il est plein de compassion parce qu'il sait, il a la connaissance, il a reçu une certaine connaissance, pas parce qu'il est une élite particulière, non, parce qu'il a, il est devenu le réceptacle de cette connaissance. Il a désiré et ensuite fait ce qui était nécessaire pour recevoir cette connaissance. Et cette connaissance, c'est quoi ? C'est l'élévation de la conscience. La connaissance permet l'élévation de la conscience. Et la conscience s'élevant, le sage établi dans cette conscience de Krishna, favorablement, ne va plus voir les choses, les perspectives, les choses de la même manière. Il est dans le même monde que les autres, mais il ne voit pas les choses de la même manière parce qu'il a une conscience élevée. On parle d'élévation de conscience, on parle aussi d'être éclairé, hein, d'être dans la lumière. Donc de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Quand on est dans la lumière, on voit les choses beaucoup mieux que lorsqu'on est dans l'obscurité. Voire même dans l'obscurité, on s'y perd. Si, connaissant, on connaît bien cette pièce, mais si d'un seul coup elle est assombrie, complètement dans l'obscurité totale, on va avoir des difficultés à en sortir. On va se cogner les uns les autres. Et ainsi de suite, ça veut dire, voilà, parce qu'on n'est plus dans la lumière, on est devenu ignorant et on agit bêtement. On est devenu incapable de faire des choses cohérentes. Parce qu'on est dans l'ignorance, parce qu'on ne sait plus où est la voie. De la même manière, ce monde illusoire, et particulièrement dans cet âge obscur, les gens sont dans l'ignorance. Pas parce qu'ils n'ont pas des sens, ils sont éveillés d'ailleurs à certaines choses. Les technologies, la science, la vertu parfois, comme l'altruisme, ils ont quelques vertus. Mais néanmoins, pour le sage, ils sont dans l'ignorance parce qu'ils sont dans l'obscurité. Et ils sont dans l'obscurité parce qu'ils n'ont pas cette vidya, ils n'ont pas cette connaissance. Ils n'ont donc pas... Cette connaissance, c'est quoi ? La connaissance qui élève l'âme, qui élève la conscience et qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, c'est intéressant, la Bhagavad Gita s'appelle la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Elle est telle qu'elle est, parce que, d'une part, parce que, voilà, elle a été traduite littéralement et il n'y a pas d'interprétation particulière et il n'y a pas les teneurs et portées et les traductions sont littérales, c'est-à-dire telles que le texte a été énoncé il y a 5000 ans. Mais elle est aussi telle qu'elle est pour celui qui a cette conscience. Et vous verrez, on peut faire cette expérience. Lecture après lecture de cette Bhagavad Gita, au gré du temps, on voit que notre lecture change. Ce n'est pas la lecture des mots qui change, c'est notre conscience des choses qui change. Et on trouve nourriture, et nourriture, et encore nourriture, dans cette Bhagavad Gita, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas différent de lui. C'est un des rares écrits où Dieu parle lui-même et dit, voilà, ce qui sont les choses et comment les choses peuvent être différentes par un processus donné. Certes, il y a toute une, on pourrait presque dire une mise en scène, une situation particulière qui va faire sortir cette connaissance, qui va être le support pour que cette connaissance sorte. Mais l'objectif du Seigneur, c'est celle d'Arjuna dans un sens, puisqu'il se prête à ce jeu, un peu malgré lui, c'est de faire émerger cette connaissance qui va permettre d'élever la conscience et par cette conscience élevée de voir les choses telles qu'elles sont. Aditi a ce problème, son mari est maître spirituel par voie de conséquence, parce qu'il est, pas parce qu'il est son mari, mais parce qu'il est éclairé. Il ne pourrait pas être son maître spirituel juste parce qu'il est son mari. Il est un mari qualifié en ce sens qu'il est éclairé. Il est éclairé, conscient de Krishna et soucieux de maintenir cette conscience de Krishna et aussi de la transmettre au plus grand nombre. Mais ça commence par ses proches. Ça commence par ses proches. Ou ceux qui sont proches. Géographiquement parlant, ne serait-ce que cela. Parfois, nos proches sont loin. Parfois, ceux qui sont moins proches sont plus proches. Parfois, ce n'est pas juste géographique. Parfois, c'est aussi une question de conscience. Parfois, nos proches de chair sont très loin de nous.
Le Seigneur Jésus disait, nul n'est prophète en son pays. Et c'est vraiment le point, c'est vraiment le cas, c'est très souvent le cas. Pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Parfois, on a plus d'écoute ou plus de réaction de la part de personnes qui sont finalement plus proches, en ce sens qu'ils ont une conscience déjà un peu plus nettoyée, on va dire, donc de se fait élever. Et ils font écho à ce que l'Écriture énonce, ou ce que le Vaishnava énonce, qui n'est pas différent de l'Écriture. Donc, Aditi, donc voilà, dans cette situation, son mari lui explique comment les choses pourraient changer, d'une façon judicieuse d'ailleurs. C'est comme un prédicateur, il est toujours à même de comprendre, ou il essaie de comprendre, il fait des efforts pour d'abord comprendre c'est quoi la situation, quelle est la situation, c'est quoi la situation. Pour ne pas dire une chose qui soit décalée par rapport à la situation et qui serait, même si c'est très élevé, inadéquat et donc inutile. Donc en fonction de le personnage que l'on a en face de nous, on ne va pas forcément dire les mêmes choses ou pas de la même manière. On va peut-être mettre des priorités sur un autre aspect des choses plutôt que sur une autre. Et écoutant la personne, hein, ça commence par l'écoute. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Kashyapa Muni. D'abord, il écoute sa femme. Et pour ce faire, il pose des questions. Il ne pose pas des questions par curiosité, il pose des questions pour savoir où elle en est. C'est quoi le problème? Où elle en est? Pour pouvoir répondre aux besoins, pas à son besoin à lui, mais à son besoin, le besoin d'elle. En quoi je peux elle être utile? C'est très important dans notre démarche, je ne dirais pas prédicative, parce que cette prédication, c'est un mot qui est peut-être un peu galvaudé, en ce sens que ça sous-entend une démarche de vouloir induire l'autre à accepter. Mais juste d'aider les autres, juste d'aider, par compassion, par altruisme, par... Voilà, on est tous dans le même bain, on est tous dans ce monde matériel, à ramer, à non plus finir, galère tous, non? On est tous dans l'océan de fautes. Et dans cet océan de fautes, on rame. Et les dévots aussi, ils rament, mais ils rament, c'est un rame spirituel. Hare Ram. C'est plus la même Ram. Donc voilà, c'est naturel. On va y revoir sur ce point, naturel. C'est dans la nature des choses, parce que nous sommes faits de ça. Notre cœur, notre intimité est pur et sans reproche. Nous sommes tous purs et sans reproche, mais conditionnés d'une manière différente, tous. On est tous individuels et distincts et conditionnés aussi de manière individuelle et distincte. On est chacun emballé d'une certaine manière, conditionné par la matière. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Déjà comprendre l'effet de l'illusion sur nous et comment faire pour qu'elle ait moins d'effet sur nous, cette illusion. Et une fois quelque peu déjà conscient de ces choses-là, essayer d'aider les autres à moins souffrir. L'idée, c'est ça. Parce que par défaut, ce monde est souffrance. On peut toujours ne pas y croire, ne pas le voir, ou ne pas en vouloir, ou penser qu'il est tellement pessimiste, ce gars. Tellement pessimiste. J'ai envie d'écouter autre chose. Mais regardons juste, écoutons et regardons. Il y a différentes façons de voir les informations, par exemple. Hein, c'est un peu comme une loupe. On écoute les nouvelles. Il y en a plein maintenant de chaînes de news en 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et il y en a plusieurs. Il y a France 24, il y a Euronews, Manchin-Bidou, CNN. Et 24 heures sur 24, ils parlent. 24 heures sur 24, ils annoncent les infos. Ils sont redondants un peu parfois. Néanmoins. Et tout ce qu'ils disent, remarquez bien, c'est souffrance. C'est rarement, à part quand c'est les résultats sportifs. Mais sinon, c'est pas facile. Ils annoncent pas des bonnes choses.
ces manifestations par-ci, guerre par-là, famine d'un côté, aujourd'hui, famine, des famines aujourd'hui, dans une bonne partie du monde, les gens ont faim. On se croirait au Moyen-Âge, et le monde a évolué. Voilà, civilisé, le monde civilisé, des gens qui meurent de faim. Voilà le progrès. 2000 ans d'histoire. Ils ont toujours faim. Donc voilà, c'est difficile, c'est pas facile, l'environnement qui se... Et ça, c'est au sens large du terme. Après, on rapporte ça à nous. Si on ne mange pas régulièrement, on a faim. Non ? Avoir faim, ce n'est pas marrant. C'est souffrance. Donc, par défaut, j'ai faim. Et parce que je vais faire ce qu'il faut, je n'ai plus faim. Mais si j'arrête de faire ce qu'il faut, je souffre. Et faire ce qu'il faut, c'est souffrance aussi. Parce que... il faut des sous. Et si je n'ai pas de sous, il faut que j'en gagne. Et pour en gagner, je travaille. Travailler, ce n'est pas marrant. C'est souffrance même, souvent. On fait rarement ce qu'on a envie de faire. Et même si on fait ce qu'on a envie de faire, pendant combien de temps on a envie de le faire ? Après quelques années, on a envie de passer à autre chose. Et ça devient labeur. Ce n'est plus vraiment récréatif. Ça l'a été peu de temps, finalement, même si c'était intéressant au départ, quelque peu intéressant. Donc, souffrance après souffrance, la moindre négligence du corps, c'est une souffrance. Et si je néglige le corps en ne l'entretenant pas d'une façon correcte et appropriée, je tombe malade, souffrance. Les autres, c'est Malraux qui disait, l'enfer, c'est les autres. Les autres, souffrance. Alors, on peut avoir quelques affinités, mais pas combien de temps ça dure. Au départ, on peut quelques points communs, et sur cette base-là, on est très enthousiaste. Et c'est très bien, mais combien de temps ça dure ? Souvent, on est très souvent déçu, ou on déçoit très souvent. On va prendre les choses des deux côtés, on déçoit. Particulièrement lorsqu'on vit en vase clos avec une communauté, en permanence, je crois. Après 40 ans, on déçoit. Ou on est déçu, et ainsi de suite. Parce que c'est comme ça, parce qu'on est équipé pour, parce qu'on est fait pour, parce que ce monde est fait pour. Ce monde est fait pour. Il est fait pour quoi ? Pour souffrir ? Non, il n'est pas fait pour souffrir. Il est fait pour prendre conscience de Krishna. Or, on est à même, ou plus enthousiaste, ou plus à même d'être dans le bon esprit pour développer cette conscience lorsque l'on bave, lorsque l'on souffre. Un bon exemple, peut-être vous en avez côtoyé, moi j'en ai côtoyé de très près, les alcooliques. C'est des malades, c'est des gens, ils sont malades, c'est une maladie. Au départ, c'est anodin, ça commence par social, c'est du social. On boit un coup entre amis, histoire de passer un bon moment. Et parce que ça se fait autour d'une table et d'un verre, alors on s'y prête. Au départ, c'est complètement anodin et insignifiant et complètement innocent. Et ça, c'est une forme d'ignorance d'ailleurs. On devrait en parler davantage d'ailleurs. Peut-être pas au sein de notre communauté, parce qu'on se prive de cette chose-là avec force vigueur. Mais dans le monde, c'est extrêmement présent, ils en font de la publicité, et c'est probablement dans les supermarchés le rayon le plus important. C'est 20 mètres de double linéaire, et ça ne fait que croître, et ça croître. Et c'est un faux ami, c'est un danger énorme, extrêmement dangereux, parce que c'est un ami, il semble être un ami. Et ça commence comme ça, d'une façon anodine. Je vous passe les détails, vous comprenez où je veux en venir. Il arrive un moment où le contrôle est passé de l'autre côté. La vapeur est inversée. Ce n'est plus moi qui contrôle, c'est la bouteille qui contrôle. C'est elle qui contrôle. Je suis devenu dépendant.
je suis devenu dépendant. Et là, là commence le problème. Le problème commence parce que ça devient une souffrance. Pourquoi ça devient une souffrance? Parce que je ne peux pas m'arrêter. Et je voudrais. Et là, je commence à vouloir. J'en veux plus. J'en peux plus. Parce que derrière, le problème dont je suis le centre s'élargit graduellement. Il s'élargit en ce sens que je perds mon travail, je perds mes amis, je perds ma famille, les enfants, l'épouse ou le mari. Je deviens seul avec ma bouteille. Il n'y a plus qu'elle. Il n'y a plus qu'elle qui existe. Je n'ai plus de travail parce que je suis incapable de le faire. Je ne peux plus le faire. Et ces gens-là, quand ils en sont dans cet état-là, à ce point, très avancé, très évolué de l'intoxication, ils deviennent, lorsqu'on leur parle d'une solution, qu'on essaye de les aider, et qu'on leur parle de Dieu, de Krishna, et la perspective qu'il y a peut-être une solution, en Dieu, leur cœur est avide de savoir et de comprendre et de connaître. Pourquoi ? Parce qu'ils souffrent. Parce qu'ils souffrent réellement, vraiment. Ils souffrent vraiment. Est-ce qu'ils ont vu le monde s'écrouler autour d'eux ? Ils ont vu leur monde s'écrouler. Et la souffrance d'être dans cette solitude et dans un monde qui devient très dur avec eux, très dur. Ils se prennent des cailloux, les enfants les négligent, et jouent avec eux, et plus personne ne veut entendre parler d'eux, on ne peut même plus les regarder tellement ils sont déformés par l'alcool ou par la situation qui va avec l'alcool. Leur cœur, quelque part, ils sont fortunés. Elles sont fortunées, ces gens-là, parce qu'ils sont dans l'état exact qu'il faut être pour recevoir la miséricorde de Krishna. Et mon point est là, le point c'est qu'il faut éviter de passer par là pour arriver à ce point-là. Mais contempler, comprendre, essayer intrinsèquement de comprendre le cheminement et la détresse de cette solitude dans leur existence et prier pratiquement parlant pour arriver à ça, pas à cette situation par laquelle ils sont passés, mais arriver à cet état de dépendance de Dieu. Et il y en a qui sont vraiment comme ça. C'est pas toujours le cas malheureusement, mais il y en a qui sont vraiment sincères dans leur désir de changer. Et ça, il est là le point. Et le point est là. Ça, c'est une terre fertile pour planter la graine de la dévotion. Quelqu'un qui veut, qui est sincère. C'est pas qu'il veut juste. Parce qu'il y en a qui veulent, mais qui n'ont pas prêt à faire l'effort. Ou à investir du temps, de l'énergie. Ils ne sont pas prêts à s'investir. Mais ceux qui souffrent vraiment, ceux qui sont dans le désespoir et qui sincèrement veulent que ça change, ceux-là, ils ont une prière qui est nourrie. Leur prière, elle est nourrie. Et elle est tellement nourrie que Dieu l'entend, cette prière-là. Krishna, il entend ça. Parce que c'est fait dans le bon conscience, dans le bon esprit. Certes, dans un état de délabrement absolu, mais là n'est pas le point. Ça, c'est juste le corps. Le point, c'est qu'ils en sont arrivés à un point où ils peuvent prier avec le cœur. Et notre tiédeur actuel nous sépare de cette situation. Nous avons tendance, quand on n'est pas affecté trop par le monde, ou pas trop dans cette souffrance, à être tiède, hein, c'est-à-dire pas. Certes, on est religieux et on va suivre les préceptes de la religion. On va suivre les principes. Hein, on va écouter et suivre les préceptes. Et de ce fait, on va se purifier jusqu'à un certain point où Krishna va demander un peu plus. C'est-à-dire du cœur. Il y a une grosse différence entre un enfant qui pleure pour une sucette, pour avoir une gâterie, c'est-à-dire par caprice, et un enfant qui pleure parce qu'il est en détresse, réelle détresse, parce qu'il souffre.
Si vous observez une telle situation, vous verrez, la mer ne se déplace pas à la même vitesse. Voire peut-être, elle ne va pas se déplacer du tout. Si c'est juste un caprice, un énième caprice, la mer, foufou, elle va juste peut-être essayer d'attendre que ça se calme. Mais s'il y a un réel détresse, s'il y a un danger, l'enfant manifeste un danger par son pleur, la mère est capable, même si elle n'est pas sur place, elle est à l'étage en train de faire quelque chose, elle entend et elle reconnaît le pleur et descend quatre à quatre, très rapidement, comme elle n'a jamais descendu les escaliers, et prend son enfant et le serre sur son cœur. Et l'enfant, même s'il souffre encore, il est rassuré, il est en sécurité. Et il sait qu'il va y avoir une solution, même s'il n'a pas cette réflexion intellectuelle. Il sait tout de suite qu'il est au bon endroit, avec la bonne personne, faisant la bonne chose. Et la paix s'installe, hein, et il est en sécurité, et tout va bien. De la même manière, Srila Prabhupada, il explique, sans rentrer peut-être dans tous ces détails, mais explique l'attitude appropriée de chant à avoir pour toucher le Seigneur. Hein, l'oliam, avec des larmes, hein, avec un cœur en réelle détresse, en réelle demande. Alors, bon, on ne va pas créer ça artificiellement, d'ailleurs ça ne se crée pas artificiellement, ça n'existe pas. Mais on peut prier, et c'est là où c'est, voilà, c'est là où il y a, voilà, où il va falloir s'abandonner, c'est là où il va y avoir probablement, et si on est sincère, toujours pareil, une question de sincérité, vraiment une question de sincérité. Si sincèrement on demande à être dans l'état de cœur approprié pour avoir une prière nourrie qui va toucher le cœur du Seigneur et de ce fait va permettre de recevoir sa grâce et de ce fait, ma conscience s'élevant, devenir conscient de Dieu et de vivre en sa compagnie, en sa présence, même si ce n'est pas celle qui est physique, mais néanmoins de ressentir sa chaleur, sa présence et sa bienveillance, alors les choses vont se mettre en place pour se faire, graduellement. Et là où, ce qui est important dans ce cas, pour obtenir ça, c'est qu'il faut être sincère, c'est très important, sinon on ne va pas pouvoir traduire les événements correctement, on ne va pas comprendre ce qui se passe et on va souffrir inutilement. C'est très important d'être actif dans notre vie spirituelle en ce sens, c'est-à-dire de traduire les événements et de comprendre ça, c'est pour moi, et ça, c'est bien pour moi, même si mon mental dit ça, c'est fou, ça, c'est nul, ça, c'est pas bon pour moi, ça, c'est pas bon, oh, c'est pas bien, je préférerais faire ça. Hein? Le dévot, notre autorité ou le dévot qui est en charge de nous, enfin, notre référent spirituel, il nous dit, c'est bien si tu allais vider les poubelles maintenant. Et nous, on a, malgré notre prière, on ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi elle me demande ça? Quelqu'un d'autre peut le faire. Moi qui suis brahman, je pourrais faire quelque chose de plus mieux, de plus approprié, de plus en adéquation avec ma connaissance et mes vertus. Mais là n'est pas le point. Le point, c'est de voir Dieu en toute chose et de pouvoir lire les événements du quotidien comme non séparés de la volonté suprême et de pouvoir, de ce fait, communier avec le Seigneur par ce quotidien, hein, dans ces événements, et comprendre la volonté de Dieu et s'y plier pour notre édification et notre sanctification que le Seigneur veut. Intéressant, dans cette teneur apportée, je sais pas, vous avez remarqué probablement, celle qu'on vient de lire, Srila Prabhupada cite un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 9, verset 29. Samoham Sarvabhuteshu, qui veut dire que Krishna, il est impartial. Alors, ce n'est pas toujours très clair à comprendre ça. Même Maharaj Parikshit le demande à Shukadev Goswami. Il pose cette question, parce que c'est pas évident que Krishna soit impartial. Je vous lis le verset peut-être, vous allez voir. Le verset, parce que là on a juste une phrase de ce verset. Le 29. Hmm.
Voilà. Samoham sarvabhuteshu namet veshyo stina priya yebad shanti itumam bhaktya bhayite teshu chapyaham. Je n'envie, je ne favorise personne. Voilà, c'est clair. Envers tous, je suis impartial. Je continue juste après. C'est faux. A priori, c'est faux. Il châtie les démons, non ? Et coupe la tête de Shishupal. Et il embrasse les dévots. Il ne traite pas les deux personnes de la même manière. Je suis désolé. Et on peut le retrouver ça à maintes et maintes reprises. Alors pourquoi Krishna, Dieu, la personne suprême ? Dans la Bhagavad Gita. Voilà, voilà, il parle, c'est lui qui parle. C'est pratiquement le seul ouvrage dans l'humanité où Dieu parle et enseigne. Bon, évidemment, il parle aussi dans le Srimad Bhagavatam, mais là, il y a le 11e chant, Uddhava Gita, où c'est Krishna enseigne un peu la même chose. Voilà, je n'envie, je ne favorise personne, envers tous, je suis impartial. Faux. Après, voilà. Moi, je dis, c'est faux. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi lui dit ça. Et pourquoi moi, je dis, je me trompe. Parce que je me trompe, je vous rassure. C'est moi qui suis dans l'erreur. Il dit juste après, « Mais quiconque me sert avec dévotion vit en moi. » C'est fort. C'est ça, la guitare. Il y a une petite phrase de rien du tout et on est tout de suite dans un autre monde. On est tout de suite dans une dimension. Mais quiconque me sert avec dévotion vit en moi, il est un ami pour moi, comme je suis son ami. Maintenant, on va essayer de voir plus en détail en quoi Krishna il est pas. Il est impartial. Krishna il est impartial. Il est comme le soleil. Le soleil brille sur toute chose. La forêt, la prairie, sur la roc. Sur tous les êtres vivants. Mais si vous avez décidé d'aller dans le sous-sol du château, ou dans une grotte, c'est votre indépendance, c'est votre libre-arbitre qui vous a dit d'aller là. Et vous bénéficiez plus du soleil. Mais ce n'est pas de la faute du soleil. C'est vous qui vous êtes mis dans cette grotte. C'est vous qui avez décidé ça. Ce n'est pas le soleil qui a décidé ça. C'est quoi cette grotte ? Hein, si on replace ça au niveau du Seigneur, Krishna il donne sa bénédiction à tout le monde. Il va juste réciproquer en fonction de comment on s'adresse à lui. Si je viens le voir avec une arme, il va sortir une arme. Hein, le Seigneur Jésus dit ça. Celui qui sortira l'épée, périra par l'épée. Si l'on approche le Seigneur avec une fleur, alors il sortira une fleur. Krishna l'expliquera aussi plusieurs fois dans la Bhagavad Gita en fonction de comment on s'abandonne à lui. Lui est réciproque, au prorata de cela. Voilà le soleil Krishna qui donne généreusement parce qu'il est amour, il rayonne de son amour. Il ne peut pas être autre chose, il ne peut pas être autrement. Il donne généreusement cet amour. Et c'est quoi la grotte ? C'est quoi le sous-sol ? C'est quoi la cave ? C'est le faux ego. Si l'on prend refuge du faux ego comme on prend refuge de la grotte, alors on n'est plus au soleil. Et on ne reçoit plus cette grâce. On ne reçoit plus parce qu'on s'est mis dans une situation inappropriée. Et si dans cette grotte, on commence à méditer et on fait des plans pour être malveillant à l'égard du Seigneur ou ses dévots ou ses représentants ou son fils ou son acharya ou ceci ou cela, son prophète ou toute représentation directe ou indirecte de lui, les écritures, on est malveillant. C'est notre choix, c'est pas le sien. On peut faire autrement. Et Krishna va réciproquer de la manière dont on va s'adresser à lui. Si on s'adresse d'une autre manière à lui, il changera les données. Et ultimement, même lorsqu'il coupe la tête de Shishupal, il libère Shishupal.
c'est néanmoins bienveillant. Hein? Putana, c'est un extrêmement bon exemple. Putana, elle a tué des milliers d'enfants avant d'en arriver au Seigneur, à essayer de faire la même chose. Extrêmement puissant, un sourire extrêmement puissant. Voilà, démoniaque. Vraiment démoniaque. On n'en connaît pas des démoniaques comme ça ici. On n'en rencontre pas souvent, voire jamais, à ce point. À ce point, non. Krishna, il va être extrêmement miséricordieux avec elle, tout en lui infligeant ce qu'elle mérite, c'est-à-dire la mort. Néanmoins, parce que il a sucé son, enfin il a tété son sein pour prendre, enfin voilà, parce que elle voulait le tuer comme ça, avec un lait empoisonné. Elle a tété, il a tété son sein et de cette manière il lui a pris tout son air vital en même temps, en plus en même temps que son lait empoisonné. Mais elle et de ce fait elle en a souffert énormément et elle s'est purifiée en souffrant. Et de ce fait elle a ressenti. Enfin, elle s'est purifiée et son attitude au départ, c'est néanmoins d'être une attitude de mère par rapport à un enfant, même si c'est dans un mauvais esprit. Et de ce fait, elle a obtenu d'être une mère au monde spirituel. T'es libéré. Donc Krishna, même s'il est, semble-t-il, malveillant, quand on est dans la dualité, évidemment, on ne voit pas, on voit mal, bien, on ne voit pas autre chose, mais en fait, Krishna fait toujours bien, il ne peut pas faire mal. Il ne sait pas faire mal, il fait toujours bien. Et ça, c'est un aspect. Ça, l'autre aspect, c'est que, voilà, il est le soleil, à nous de nous mettre au soleil. Et un autre aspect, et on arrêtera là, parce qu'il est déjà tard, l'autre aspect, c'est que c'est naturel. C'est naturel, même si quelqu'un est extrêmement bienveillant à l'égard de tous les êtres, quelqu'un de charitable par exemple, il le sera d'autant plus avec ses enfants, parce qu'ils lui sont dévoués, parce qu'ils savent lui faire, ils le servent ou quelque chose. Donc c'est naturel. Prabhupada dit dans cette teneur et portée du verset 29 du chapitre 9 que c'est naturel. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impartial pour autant. Non, il est. Qu'il n'est pas partial. Qu'il est partial. Ça ne veut pas dire qu'il est partial. Il est impartial. Voilà. Ok, on va s'arrêter là. Il est 9h10. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non, tout va bien. Tiens, merci beaucoup. Hein? Je vais juste rajouter quelque chose. Oui. Ce que vous avez dit quand tu parlais de la douleur tout à l'heure. Arena nous parlait une petite histoire, donc c'est très sympa. C'est la douleur, en fait, de façon générale, c'est pour qu'on s'en rende compte. Généralement, quand on contre une douleur au pied, on reçoit deux flèches. La première flèche qui est la douleur réelle, la souffrance, le tissu qui se déchire. Et l'autre flèche qui est « Ah, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai ça à ce moment ?» En fait, la deuxième flèche, c'est souvent nous qui nous mettons toujours. Et c'est vrai que des fois, quand il y a quelque chose qui arrive, peut-être juste la voir, la douleur pour ce qu'elle est, mais pas forcément y apporter un jugement, parce qu'elle a des nuisances. En fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Merci. 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 Merci d'être venu.